Comment convaincre quelqu'un? Comment le persuader d'adopter ton point de vue? C'est ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo. Et pour y parvenir, on va s'appuyer d'une scène de la série Better Call Saul qui nous montre exactement comment faire. Et comme on va le voir, le meilleur moyen pour convaincre quelqu'un, c'est de procéder en trois étapes. On va voir la première dès maintenant, mais je te conseille de bien rester jusqu'au bout parce que tu auras besoin des trois étapes pour devenir réellement convaincant. S'il t'en manque une, ça ne te servira à rien. Et juste avant de continuer, si ça n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton en dessous pour recevoir une nouvelle vidéo par semaine pour améliorer tes conversations et ta communication avec les autres. La première phase pour convaincre n'importe qui, c'est de prouver ta crédibilité. C'est-à-dire de montrer à la personne que tu as en face de toi que tu sais de quoi tu parles, que tu maîtrises le sujet. Parce que si t'es pas crédible dès le départ, tu ne donnes aucune raison à l'autre d'écouter ce que tu as à dire plus longtemps. Mais en lui montrant que tu sais de quoi tu parles, tu lui prouves qu'il peut te faire confiance. Et c'est justement ça le but, de gagner sa confiance pour qu'il accorde de l'importance à ce que tu lui dis. Et regarde comment Jimmy McGill, qui est le personnage principal de la série, essaye de convaincre son jury de changer d'avis et de lui redonner son poste d'avocat. Parce qu'après avoir commis une faute grave, il a été suspendu pendant une année. Et donc là, l'enjeu est fort pour lui. Parce que s'il ne réussit pas à convaincre le jury, eh ben il ne pourra tout simplement pas retrouver son titre d'avocat. Monsieur McGill, nous sommes prêts. J'arrive. Vous savez que la loi est toujours en constante évolution. Alors à ce propos, comment avez-vous pris le temps de vous tenir informé? En me plongeant dans le journal du barreau. Tout récemment, j'ai lu l'article sur le cas Crawford versus Washington. L'un de vous a suivi l'affaire? Ça concernait l'admissibilité des procédures ex parte. Ici, tu vois, pour prouver qu'il est crédible, il montre au jury qu'il est resté informé et qu'il sait de quoi il parle en termes de droit. Mais il va encore plus loin. Oui, c'était à la Cour suprême, semble-t-il. Absolument. Comment était-ce l'unique indice de fiabilité suffisant pour satisfaire une demande constitutionnelle est en fait celui que la Constitution prescrit, la confrontation. Et maintenant, tu peux voir rien qu'à la tête que fait ce monsieur, qu'il a réussi à totalement devenir crédible à ses yeux. Excusez-moi. Quand je suis parti sur la Constitution, on ne peut plus m'arrêter. Pour vous répondre en deux mots, je me suis tenu informé. Dans cet extrait, on voit qu'il sait de quoi il parle. Et c'est justement ce qui le rend hyper crédible à leurs yeux. Et tu peux voir encore à la tête qu'ils font sur cette image qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils viennent d'entendre et qu'il a réussi à gagner leur confiance. Il est donc prêt à passer à la deuxième étape pour les convaincre encore plus. Et cette deuxième étape justement, c'est de faire ressentir des émotions fortes au jury. Et le meilleur moyen pour lui d'y arriver, c'est de raconter une histoire. Parce que les histoires ont une sorte de pouvoir sur nous. Elles nous captivent et on veut toujours en savoir plus. Et le but en fait, c'est de toucher l'autre, de lui faire ressentir des émotions fortes parce que nous sommes des êtres émotionnels. Et les émotions parlent directement à notre cœur et suscitent donc de l'intérêt chez nous. Et si l'émotion ressentie est assez forte, alors on a beaucoup plus de chances de se laisser convaincre. Parce que nous prenons nos décisions en grande partie par rapport à l'émotion que l'on vient de ressentir. Et regarde comment Jimmy va s'y prendre. Regarde comment il va réussir à toucher le jury avec son histoire. Bien, tout cela me semble assez satisfaisant. Ah, Meg, une chose à ajouter? Monsieur McGill, qu'est-ce que la loi représente pour vous? Quand j'étais jeune, franchement, je n'avais jamais envisagé de devenir avocat. Même si j'avais voulu, je n'étais pas assez brillant, je n'avais ni le talent ni la ténacité pour ça. Mais j'ai eu l'opportunité de travailler pour un cabinet d'avocats et là, j'ai commencé à penser que peut-être moi aussi, je pourrais tenter ma chance. Ça m'avait donné envie d'essayer. Regarde à quel point le jury est captivé par son histoire. Ils se laissent porter et ils ont juste envie d'entendre la suite. Et là, Jimmy va pouvoir passer à la deuxième étape de son histoire, faire passer une émotion forte. Il faut que vous sachiez
que je suis diplômé de l'Université américaine de droit des Samoa. Rien que le titre annonce déjà la couleur, oui, ce sont des cours par correspondance. J'aurais préféré sortir de Georgetown ou Northwestern, mais l'UAS est la seule fac à m'avoir accepté. Vous l'aurez compris, je n'étais pas un avocat né. Apprendre les lois, toutes ces heures d'études, passer l'examen du barreau, ça m'a tué. Et honnêtement, j'ai failli abandonner. Oui, une douzaine de fois au moins. Mais je n'ai pas baissé les bras et au final, je ne peux rien regretter. Parce que quand j'ai eu la joie de travailler pour de vrais clients, je n'avais rien connu de tel que cette joie. Ici, l'émotion que Jimmy essaye de faire ressentir est de la tristesse. Et tu vois encore une fois, à la tête du jury, qu'il a plutôt bien réussi. Ils sont sur le point de se laisser convaincre, mais il reste quand même une dernière étape avant d'y arriver et de leur mettre le coup de grâce. De ton côté, tu n'es pas obligé de te limiter à cette émotion de tristesse pour convaincre quelqu'un. Les grandes marques, elles préfèrent plutôt miser sur des histoires qui te font ressentir de la joie pour te convaincre. Regarde par exemple cette publicité de Milka qui nous raconte avec une petite histoire comment elle fabrique son chocolat. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Milka, tendrement chocolat. Dans sa pub, Milka nous montre comment est fabriqué son chocolat. Même si au fond de nous, on sait que ça ne se passe pas comme ça. Mais on a quand même envie de croire et d'imaginer que c'est cette petite marmotte qui nous emballe délicatement nos chocolats. Car l'émotion qu'on ressent est beaucoup plus positive. Et on se laissera convaincre beaucoup plus facilement par cette petite marmotte plutôt que s'ils nous avaient passé une pub en nous montrant leur chaîne de production. La troisième phase, et qui d'après moi est l'arme fatale pour convaincre quelqu'un, c'est de prendre quelque chose ou quelqu'un d'autre qui va attester que tu as raison. C'est entre autres une preuve sociale. C'est quelque chose qui va prouver à l'autre qu'il devrait te faire confiance. C'est aussi par exemple l'avis d'un produit sur Amazon qui va te montrer si le produit vaut le coup d'être acheté ou non. Regarde maintenant comment Jimmy va s'en servir dans son cas pour convaincre le jury. Nous avons examiné tous les faits, les mêmes que la commission avait examinés. Nous avons évalué leurs conclusions, il ne nous reste plus qu'à entendre la déclaration que vous avez préparée. Donc, dès que vous serez prêt... Merci, votre honneur. En réalité, je n'ai pas préparé de déclaration. En revanche, il se trouve que j'ai ceci. C'est une lettre de mon frère, Charles McGill. Juste pour information, pour ceux qui n'ont pas vu la série, son frère était un grand avocat connu de tous et vraiment respecté dans le milieu. Ce qui va apporter encore plus de crédibilité à son discours. Il me l'a laissé dans son testament et on me l'a remise l'année dernière après sa disparition. Cher Jimmy. Tu vois, Jimmy vient de sortir une lettre écrite par son frère. Et s'il fait ça, c'est pour prouver qu'il n'est pas le seul à penser qu'il devrait retrouver son statut d'avocat. Et son frère l'atteste dans cette lettre, ce qui le rend encore plus crédible. Son discours est vraiment bien rodé, et chaque détail dans sa communication est étudié pour être vraiment convaincant. Et d'ailleurs, si tu t'intéresses de près ou de loin à la communication et que tu souhaites améliorer tes conversations pour devenir réellement intéressant pour les autres, j'ai créé un petit guide totalement gratuit qui va t'apprendre à avoir de la conversation et à ne jamais manquer de choses à dire. Si tu souhaites en savoir plus, je te mettrai un lien d'accès à ce guide totalement gratuit dans la description de cette vidéo. On va prendre le temps tous les deux de découvrir comment devenir inspirant dans tes conversations aux yeux des autres. Et on va notamment s'intéresser à un homme qui n'est autre que Steve Jobs, le créateur de Apple. Ce mec est un génie dans l'art de la communication et ce que je te propose, c'est de découvrir avec moi ce que l'on peut apprendre de lui pour améliorer nos conversations. Si tu veux accéder à ce guide gratuit, alors clique maintenant sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Tu auras juste à me déposer ton adresse mail pour que je puisse t'envoyer ton guide ensuite. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a plu, alors abonne-toi à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. J'en sors une par semaine pour t'aider à améliorer tes relations avec les autres et ta communication.
Et tu vois, j'essaie toujours d'appuyer mes idées avec des films, des séries, des interviews, pour que ce soit le plus clair possible pour toi. N'oublie pas aussi le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir si tu as aimé cette vidéo. Et si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un de ton entourage, alors partage-la. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!